Ah, les gars, Mbappé POTM, lui a dit, il sort demain, il sort après-demain. Comme je vous ai dit, les gars, c'est aléatoire, c'est Yé qui décide. Il n'y a pas de liqueur français, ou il y en a qui se prennent pour des liqueurs, il n'y a pas de liqueur, ils sont aux États-Unis ou en Angleterre. C'est les futurifs, etc., les liqueurs, les donks, etc. Fini de faire la petite parenthèse, on parle de Kylian Mbappé maintenant. Allez, les canailles. Donc, Kylian Mbappé, faut ta daronne, ton grand-père, ton père, ton foie. Ta rondelle. Non, je rigole, bien entendu. Bon, c'est pas faux ce que je dis, mais bon. Il demande 4 équipes à 85. 4 équipes à 86. 4 équipes à 87. 6 équipes à 88. 4 équipes à 89 et une équipe à 90 pour Kylian Mbappé, frérot. Mbappé coûte 4,7 millions sur Easy SBC. Merci. Donc, il coûte 4,7 millions, les canailles. Kylian Mbappé, donc il y a eu le 92 de Kylian qui est sorti, on va regarder sa carte, donc en playstyle, il a le rapide plus, extérieur du pied, foulée rapide, tu peux le jouer que BU cette version, ah non, AT et AG aussi, ok, autant pour moi, je croyais, alors on peut le jouer AT et AG, on va le comparer avec les autres versions les gars. Après voilà, il coûte cher Mbappé, hein. C'est Mbappé les gars après, mais il y a d'autres choses à vous montrer après. Ah, Mbappé, ça coûte cher, on connaît, c'est Kylian, hein, c'est le kiki de Bondy. Si t'as fait le 92, bien sûr, ne fais pas le 93, ne sois pas plus con que ce que tu es, ma canaille. D'accord ? Si t'as fait la version POTM comme moi, voilà, kiki, c'est, voilà, c'est la même carte. Quoi, c'est pas la même, mais il gagne en plus en tir, d'accord ? La Vista, il gagne un en plus. L'agilité, l'équilibre, il gagne un en plus. Voilà, quoi, il prend un plus 1, quoi. Il prend un plus 1, les gars. Ouais, Mbappé, il prend un plus 1. Après, en termes de playstyle, c'est le même que le POTM. C'est le même que le POTM. Donc, voilà, c'est le même que le POTM. Hein. C'est les mêmes playstyles, c'est, voilà. Il y a un up de plus. Donc, voilà, c'est un plus 1, les gars. Après, tu le payes 4,700. Donc, pour moi, est-ce que Mbappé vaut le coup? C'est Kylian Mbappé, les gars. Donc, bien sûr que pour moi, Kylian Mbappé, il vaut le coup. Tu peux le garder jusqu'au TOTS, etc., que ça soit le 92 ou le 93. Si tu as fait le 92, il n'y a aucun intérêt de faire le 93, les gars. Parce que dans tous les cas, pour un up, il n'y a aucune utilité. Si tu l'as fait pour 3,7 millions, oui, tu aurais attendu. Pour 1 million de plus, tu aurais le 93. Mais pour un up, à part pour flex, dire j'ai le 93, il n'y a aucun intérêt. Est-ce que je conseille Mbappé? Mbappé, si tu joues méta, c'est un des meilleurs joueurs du jeu, voire le meilleur. Donc, je ne peux pas le déconseiller. Après, le problème, est-ce que tu pourras le faire? Bon, il y a les packs saison, etc. Mais voilà, il va falloir vraiment triarder si vous voulez le faire. Il reste 30 jours. Mais dans tous les cas, je ne peux pas déconseiller Mbappé, peu importe son prix. Après, si tu es un joueur qui ne joue pas méta, autant tu préfères un Harry Kane qu'un Kylian Mbappé. Tout dépend de ton style de jeu. Par exemple, j'ai Eusebio, j'ai Mbappé. Je préfère 1000 fois Eusebio à Mbappé. C'est vraiment ton style de jeu. Mais je ne peux pas le déconseiller. Si tu es un joueur qui sait skill, etc., c'est ce qu'il y a de mieux à avoir. Il a une carte sensationnelle, les gars. Il a une carte sensationnelle. Finition 93, puissance de frappe 92. Voilà, il a une carte que tu gardes jusqu'au TOTS. Même pendant les TOTS, il y en a qui jouent Mbappé régular. Donc, tu peux le garder très longtemps, les gars. Voilà, il n'y a rien de plus à dire sur la carte, à part qu'elle est phénoménale. Après, si tu as le régular, faire le POTM, c'est une alternative aussi parce que là, il prend deux up. Il commence à avoir une belle différence avec le régular. Avec le 92 moins, mais avec le régular, il commence à avoir une différence sympathique. Mais après, si tu as le régular invendable, on s'approche de la Tucci. Pourquoi mettre autant de crédit si tu as déjà une version d'Mbappé qui est largement jouable? Voilà, faut se dire ça aussi. Il y a un renfort connexion quotidien, les gars. Réussissez ce défi pour progresser vers les renforts connexion. On regardera après, ça doit être lié avec les objectifs. Il y a un choix 82 plus, il y a un renfort 84x5, il y a un choix 83 TOTW. Il y a un renfort... Je regarde s'il y a un pack icône ou quoi, j'y crois pas. Ouais, il y a les grosses affiches féminines. Est-ce qu'il y a un truc de ouf en objectif? On va aller voir les objectifs, les gars. FC Barcelone, Rosenberg et l'Ajax Bayern, les canailles. On va tout regarder, les gars. Juste, je fais pour pas... Ouais, il doit avoir un truc de fou en objectif parce qu'il y a... Il y a un truc par rapport au défi. Donc, il doit avoir un truc de fou en objectif. De fou, je sais pas, mais il y a quelque chose. On va regarder, les gars, ce qu'il y a en objectif.
Donc, tu as les grosses affiches. Les grosses affiches, les gars, c'est Fenerbahçe, Galatasaray, Roma, le Napoli, Wolverhampton, Chelsea. Et vous avez Atlético Madrid, Séville. Et vous avez un pack éléments joueurs Electron Prime, un petit pack Prime éléments joueurs, un petit pack Premium éléments joueurs mélangés et un pack éléments joueurs mélangés. En finissant tous les défis des canailles. Et tu récupères avec ça un petit pack méga. Et il y a un 83x10, je ne sais pas s'il y était les gars, je montre tout. Il y a un 83x10, moi je vous conseille de les faire et de les ouvrir demain les gars. Après si vous voulez que je vous les ouvre, mais c'est pour vous les gars, pour le prochain event. Après ça dépend si l'event qui arrive il vous plaît ou pas. Et n'oubliez pas, pour avoir des renforts or, c'est pas mal ça, c'est pas mal ça. N'oubliez pas ça. Maintenant, on va voir les objectifs. 3 équipes de plus que le 92, il est donné. T'abuses un peu, il est donné... il coûte 4,7 millions. T'abuses un peu. Donc, on va voir ce qu'il y a, les gars. Vous m'avez dit, il y a un truc réussi des CE renfort championnat. Est-ce que c'est ça? C'est ça, je crois, non? Ou je dis de la merde? Réussi? Oui, c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est ça, non? C'est pas ça? Non. Mais c'est quoi? Non, non. Attendez, ben je vais regarder. Hein. Au lieu de me dire non, si vous me dites où c'est, reviens. C'est dans palier, c'est dans quoi? Il a rien, joueur hiver, réussite fort, réussite. Mais c'est dans quel truc qui te revient? C'est dans live, merci. Oh, ah, dur. Réussite, DCE, renfort, championnat. Ben c'est ça. Ben c'est ça alors. Ben c'est ça. Pourquoi vous me dites non? Pourquoi ça troll? Non, non, non. Ben c'est ça alors. Mais c'est ça, réussite des CE renfort connexion. Mais ça y était pas ça, non? Vas-y, je relance. Ouais, mais à chaque fois, il faut que je relance le live. Franchement, c'est eSport, si un jour t'es sur mon live, règle vite ça avant que je déterre tes morts. Il est... À chaque fois, ouais, mais à chaque fois, je suis le seul, il faut relancer, les gars. Merci Chaussette Adri pour le follow. Les gars, je suis le seul, il faut relancer à chaque fois pour voir ce qu'il y a, les canailles. Oui, il y a les best-of, ça c'est ce soir. Ils ont remis tous les best-of, les gars. En cas, si vous ne le savez pas, ils ont remis les radioactifs, les boosts et les Thunderstruck. Mais les gars, c'est trop, les gars. Pourquoi ils font toujours ça à moi, les gars? Si vous voulez savoir, les gars, si vous voulez savoir l'équipe. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans les packs. Il y en a en plus après. Mais voilà ce qu'il y a dans les packs en tout cas. Ce que vous pouvez packer, du Mbappé, du Messi, du Haaland, du Vini, du Gianni, du Karchaoui, etc. Non mais c'est vrai les gars. Réussite, renfort, connexion quotidienne. Mais tu me dis live. Ah c'est ça, d'accord, c'est ça. Mais je l'avais pas les gars. Je l'avais pas, ils me rendent fou. Ils me mettent pas les trucs, faut relancer. Donc la compte Taras y est, si tu tombes sur mon live, fais un truc frère. Fais un truc, tu vas rendre des baffes toi et tes communications manager, je sais pas quoi frère. Réussissez le DC renfort, ils rendent fou frère. Même quand t'es tranquille, ils veulent te rendre fou ce jeu. Réussissez une fois le DC renfort connexion quotidien joker hiver. Et tu récupères un pack 5 éléments joueur rare 80+. Excusez-moi les gars, mais des fois le jeu il rend fou. Hein. Réussissez deux fois le DCE renfort connexion joker hiver et tu récupères en équipe de la semaine Alejandro Garnacho mes canailles. Tu réussis trois fois le DCE renfort quotidien joker hiver, tu gagnes un choix joueur, un des cinq joueurs hiver en prêt pour deux matchs. Vraiment, c'est honteux. Tout à mon compte, c'est abusé. Pack deux éléments joueurs rares. Je suis vraiment le mec blacklisté de chez IE, les gars. Réussissez quatre fois le DCE renfort connexion quotidien joker hiver, tu gagnes un choix. Player 5 joker hiver en prêt pour deux matchs. Donc c'est en prêt les gars. Hein. C'est un player pick, soit joueur non échangeable. Et t'as un pack 5 joueurs rares 80+ les gars. Avec ça, donc réussissez 4 fois. Le DCE renfort. Quotidien joker hiver. Gagner un choix joueur joker hiver en prêt. C'est pareil les gars. Gagner un choix en prêt pour deux matchs. Et t'as un player pick avec. Et t'as Coréa les gars. Coréa Centurion. Tu récupères Coréa Centurion. C'est plutôt pas mal, les canailles. C'est plutôt pas mal. Tu réussis 6 fois. Bon, c'est toujours pareil. Tu réussis 6 fois le renfort. Là, t'as un pack 5 éléments joueurs rares 84+. Donc, les faudeurs vont baisser. Je pense qu'il y aura une fenêtre de tir pour faire de l'achat-revente, les canailles. Réussissez 7 fois le DCE renfort connexion quotidien. Joker hiver, gagner un joueur Joker hiver en prix pour 2 matchs. Ok. Et tu récupères un pack éléments joueurs rares avec ça.
J'étais vraiment fou ce jeu, voilà. J'allais être à où tac, tac, tac. Un pack élément 5, ok. Le 8, c'est réussissez une fois le DCE renfort connexion quotidien, joker 8 fois, gagner un choix joueur, il me rend fou le truc, les gars, tu masterclass, tu récupères caissier, voilà, t'as caissier réactif en cadeau, voilà, c'est pas mal, au moins t'as des cartes. Bon, c'est pareil, pack 2 éléments joueurs 85 plus, les canailles, quand tu réussis 9 fois, quand tu réussis après 10 fois, t'as un Dudek, Jersey Dudek pour les liens. Tu vas bien, je suis un viveur de l'ombre, je parle jamais, mais par pitié, je t'éping sur Twitter, va voir. J'irai voir ma canaille. Réussissez 11 fois le DCE renfort quotidien, gagner, voilà, c'est 11 fois, t'as un pack 10 éléments joueurs rares. Et 12 fois, tu réussis, les gars, t'as un pack 20 éléments joueurs rares, 84+. Donc voilà, quand même, t'as des packs exceptionnels. Je vais arrêter ces merdes, comme tu m'as dit ce matin, voilà, t'as raison. Je sais pas si je pourrais finir Mbappé pour OTM, mais franchement, je pense qu'Mbappé, il y a moyen que vous le faites. Hein. Regardez, si vous faites tous les défis et tout, les gars. Si vous faites tous les défis et tout, les gars, il y a grave moyen, les gars. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a grave moyen, les gars. Avec tout ce qu'il y a, il y a grave moyen. Que vous faites Mbappé. Hein. Que vous faites Mbappé 93. Il y a grave moyen, les canailles. Avec tous les packs et tout, plus la baisse du marché. Parce qu'avec tous les packs qu'il y a, la baisse du marché, elle va descendre. Hein. Elle va descendre des canailles, la baisse du marché. Hein. Donc, il y a grave moyen. Mbappé gratuit, mais bon, j'ai fait le 80, j'ai fait le 92. Je vois pas l'utilité de faire le 93, à part pour flex, quoi. Donc, je vois pas l'utilité de faire Mbappé 93 si j'ai le 92, tu vois. Mais voilà, ceux qui veulent finir Eusebio, etc., vous pouvez largement le faire, les gars, grâce à ça.